En fait, le Québec s'inscrit dans une tendance mondiale, une tendance qui vient des États-Unis. Là-bas, il y a vraiment une poussée des micro-distilleries. Puis souvent, le premier produit des micro-distilleries, c'est un gin, parce que c'est un produit qu'on peut mettre encore sur le marché immédiatement, un produit qui ne nécessite pas de vieillissement, contrairement, par exemple, au rhum ou au whisky. Donc souvent, le premier produit d'une distillerie, c'est un gin. Les deux propriétaires de la distillerie du Saint-Laurent nous ont ouvert leurs portes cette semaine. L'automne dernier, la distillerie rimouskoise a remporté le prix de la meilleure distillerie de gin au Canada, un prix reçu dans le cadre de la New York International Spirits Competitions. Présentement, on retrouve le produit dans 225 succursales de la SAQ. Le produit est aussi vendu en Suisse et très bientôt, probablement ailleurs dans le monde. Les projets ne manquent pas. À long terme, ce qu'on souhaite faire, c'est du whisky. Puis ça, on ne le sait pas, mais dans le Bas-Saint-Laurent, on est la plus grande région productrice d'orge au Québec. On est une terre de céréales. Ici, on est vraiment bien positionné pour faire du whisky. Les gens dans la côte est des États-Unis nous envient beaucoup pour l'orge, parce qu'eux n'ont pas d'orge brassicole. Donc, c'est vraiment une grande chance qu'on a d'être ici. On a de l'eau de qualité aussi, de l'eau pure. Donc, on est vraiment bien positionné pour faire du whisky. Donc, le gin, c'est un premier produit, puis ça a super bien fonctionné, puis on est fiers de notre produit. Ça va nous servir un peu de tremplin pour le reste de la production. Pas de machine robotisée à la distillerie du Saint-Laurent. Que du travail fait à la main. L'embouteillage, la cire, l'étiquetage. 5 employés sont au service des propriétaires ambitieux, amateurs de spiritueux. Ouais, le gin, à la base, qu'est-ce que c'est? C'est un spiritueux aromatisé au genièvre, au baie de genièvre. Donc, quand on parle de baie de genièvre, on parle de gin. Puis ensuite, on peut aromatiser le gin avec toutes sortes d'autres aromates. En fait, on a pas mal de carte blanche. Dans le cas où on utilise une dizaine d'aromates, donc des baies de genièvre, il y a de la racine d'angélique, il y a des graines de coriandre, cannelle, réglisse, des agrumes, des poires, et en macération après la distillation des algues, les algues laminaires qui sont récoltées dans le fleuve du Saint-Laurent. C'est là-dedans, disons, que tout macère, là. Les aromates mélangées avec l'alcool. Donc, on utilise seulement des aromates naturelles, séchées, qu'on importe en grande partie, puisque c'est des plantes qui ne poussent pas au Québec. Donc, on aromatise l'alcool dans cet alambic-là, les essences s'évaporent, les essences vont passer à travers ce qu'on appelle un gin basket. Donc, c'est un panier à aromates. Okay. Il y a d'autres aromates qu'on met là-dedans, dans une espèce de passoire métallique. Donc la vapeur d'alcool passe à travers ces arômes-là, s'infuse, puis va se condenser sur les parois froides du condensateur, puis redevient à l'état liquide. Donc là, actuellement, on a un distilla qui est autour de 76% d'alcool. Puis c'est un gin qui est aromatisé à 9 aromates, puis le 10e aromate, on le trouve dans la cuve ici, la cuve de finition. On fait macérer des algues pendant une semaine avec le gin. Ensuite, on filtre et on embouteille. Actuellement, la distillerie répond de justesse à la demande. On parle d'environ 58 000 bouteilles annuellement, ce qui fait que les jeunes propriétaires ont dû se procurer de nouveaux équipements. Donc, c'est un nouvel alambic à gin. Cet alambic-là est vraiment conçu pour faire du gin uniquement. C'est un des deux alambics qu'on va mettre en marche dans les prochains mois. On va en avoir un deuxième tout en cuivre de 2000 litres pour produire rhum et whisky. Celui-ci de 1000 litres va servir au gin uniquement. Présentement, on répond à peine à la demande du Québec. Puis cette demande-là n'est pas plafonnée encore. À chaque fois, on
se rend compte que les gens l'aiment de plus en plus. C'est un maudit de beau moment. Ce qui n'est pas mauvais, ouais. Mais c'est ça. Fait que là, la prochaine étape, c'est vraiment de pouvoir augmenter notre capacité de production, un, puis deux, amener les nouveaux produits. Puis ce faisant, ben, ça fait encore plus de bouteilles à remplir. Fait qu'il faut être capable de suivre le rythme. Merci beaucoup pour la collaboration. Belle visite, cette belle histoire, en tout cas, félicitations, même au chapeau. Ben, ça prend du courage aussi, tout ça, abandonner des choses qui sont censées. Puis... Ouais, ben, nous, on en tient du courage liquide. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup, les garçons. Très gentil. Plaisir. Coupé, on boit du gin.